Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui, on va vous proposer un comparatif entre le Galaxy S21 Ultra, le S21 et le S21 Plus. Et vous allez voir que le S21 Ultra, qui techniquement, sur le papier, est le meilleur des trois, en fait, ne l'est pas vraiment. A dévoilé trois nouveaux smartphones haut de gamme, le S21, le S21 Plus et le S21 Ultra. Les trois modèles sont disponibles à des prix bien différents. Le S21 est disponible sous la barre des 900 euros, le S21 Plus est disponible pour un peu plus de 1000 euros et le S21 Ultra, lui, est commercialisé à plus de 1300 euros. Notez par ailleurs que les prix des Galaxy S ont tendance à baisser avec le temps et que vous pourrez donc les retrouver à des tarifs plus abordables. Mais ça n'empêchera pas d'avoir des écarts de prix entre les trois modèles, bien sûr. Si les différences de prix sont quand même importantes, il y a en fait énormément de points communs entre ces trois modèles. Alors je ne vais pas revenir sur tous les points communs entre les trois modèles. Je vous propose une petite liste qui résume bien toute la situation. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va vous proposer un petit coup de main pour choisir l'un de ces trois modèles. Alors est-ce que vous ferez partie de la team Galaxy S21, de la team Galaxy S21 Plus ou de la team Galaxy S21 Ultra, vous pouvez nous dire dans les commentaires lequel des trois vous tente le plus. Donc en résumé, les S21, S21 Plus et S21 Ultra sont tous les trois aussi performants, ils ont la même interface et ils ont un design qui se caractérise par un module photo plongeant. En réalité, les différences entre ces trois modèles vont reposer sur quelques petits critères. Le premier, c'est l'autonomie. Le deuxième, la qualité photographique. Et le troisième repose sur quelques petits choix de design. Je vais d'abord commencer par ce point. Les S21 Plus et S21 Ultra ont tous les deux une coque en verre mat. Le S21, lui, qui est plus abordable, a une coque en plastique. Mais attention, c'est pas un plastique de basse qualité. Ce plastique, on n'entend pas du tout les petits craquements qu'on peut trouver sur d'autres produits. C'est un plastique très agréable qui présente aussi l'avantage de encore moins marquer les traces de doigts et en plus d'alléger le smartphone qui est déjà le plus compact des trois. Et forcément, au-delà du prix, c'est aussi le format qui va permettre de choisir entre les trois modèles. Le S21 est le plus compact et le plus agréable à utiliser au quotidien. On peut l'utiliser à une main et faire à peu près tout ce qu'on veut avec ce smartphone d'un simple geste. Ça, c'est son gros point fort. Le S21 Ultra, lui, est le plus massif, le plus lourd, le plus imposant et c'est ce qui peut représenter un frein à l'achat pour certains utilisateurs. Le S21 Plus est selon nous le meilleur compromis puisqu'il propose une bonne prise en main et en plus un confort d'affichage qui est vraiment très agréable. Le deuxième point, je le disais en introduction, c'est l'autonomie. Alors forcément, comme les trois modèles n'ont pas les mêmes dimensions, ils ne partent pas tous avec les mêmes chances. Le S21 a une batterie de 4000 mAh alors que les deux autres dépassent largement les 4500 mAh. Alors on a utilisé les trois smartphones pendant plusieurs semaines. Ce qu'il en ressort, c'est que le Galaxy S21 a logiquement la moins bonne autonomie, mais il tient quand même une journée complète avant de passer par la case recharge. Le S21 Ultra s'en sort aussi plutôt pas mal avec un petit peu plus d'une journée d'autonomie et le S21 Plus est le plus endurant des trois puisqu'il tient une journée et demie à deux jours. Là encore, Samsung fait un très bon compromis avec le S21 Plus puisqu'il intègre une batterie qui est pratiquement identique à celle du S21 Ultra, mais en plus il a un écran Full HD Plus et non QHD Plus comme le 21 Ultra qui du coup consomme plus d'énergie. Et l'écran du S21 Ultra est aussi plus grand, donc logiquement ça consomme plus. Je ne m'attarderai pas sur les systèmes de recharge, je les ai énumérés en introduction. Samsung ne livre pas de chargeur, et ça on en a déjà parlé dans le test du Galaxy S21 Ultra. Les trois smartphones sont plafonnés à 25 watts, donc logiquement le S21 avec sa plus petite batterie va se recharger plus vite. Le S21 Ultra lui sera le plus long, il faut compter un peu plus de 2 heures. 1h45 à 2 heures pour le S21 Plus et 1h30, 1h15 pour le S21. En fait, les plus grosses différences qui existent entre le S21, S21 Plus et le S21 Ultra, ça repose sur la photographie et la vidéo. Les S21 et S21 Plus ont exactement le même matériel. Ils disposent de trois capteurs avec un objectif grand angle, un objectif ultra grand angle et un téléobjectif avec un zoom hybride 3x. Le S21 Ultra, lui, est bien plus musclé puisqu'il a deux téléobjectifs en plus du grand angle et de l'ultra grand angle. Et en plus, il a un capteur principal de 108 mégapixels qui permet de capturer de meilleurs clichés. Logiquement, le S21 Ultra est le meilleur photophone des trois. C'est aussi le meilleur smartphone pour créer de la vidéo. Il est plus stable, il est plus polyvalent et il gère bien mieux les photos de nuit.
Mais ça ne veut pas dire que les S21 et S21 Plus ne sont pas de bons photophones. Au contraire, ils sont excellents. En fait, on peut à peu près tout faire avec ces deux smartphones. Ils présentent juste quelques petites faiblesses en basse lumière, où on a un petit peu plus de bruit et moins de détails qu'avec le S21 Ultra. Mais en résumé, le S21 et le S21 Plus répondront parfaitement à des utilisateurs grand public. Le S21 Ultra, lui, s'adresse aux créateurs de contenu, photographes ou vidéastes. Et voilà en gros les différences entre ces trois modèles. Alors en introduction, je disais, le modèle le plus cher n'est pas forcément le meilleur. Et ça s'explique de manière très simple, tout ce que contient le Galaxy S21 Ultra, vous n'en avez peut-être pas besoin. En revanche, tous les essentiels sont communs à tous les modèles. Le S21, le S21 Plus et le S21 Ultra sont tous les trois ultra performants, ils ont tous les trois un magnifique écran AMOLED, ils ont tous les trois une bonne autonomie, ils disposent tous les trois d'un très bon appareil photo, et ils carburent tous les trois à One UI 3.1, qui est l'une des meilleures surcouches Android à l'heure actuelle. En fait, la question qui se pose, c'est de savoir lequel correspond le plus à vos besoins. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez général lorsqu'on doit acheter un produit. Selon nous, le S21 répond davantage aux utilisateurs qui recherchent un smartphone compact, qu'ils pourraient utiliser à une main toute la journée. En revanche, le prix à payer, c'est qu'il va avoir une autonomie un petit peu moins bonne que ses frères. Le S21 Ultra, lui, c'est le nec plus ultra de chez Samsung. C'est le plus cher, mais c'est aussi le plus perfectionné. Donc techniquement, oui, c'est le meilleur. Si vous avez besoin du meilleur appareil photo, du meilleur smartphone pour faire de la vidéo, alors le S21 Ultra vous conviendra parfaitement. Mais selon nous, le meilleur compromis, c'est le S21 Plus. C'est lui qui correspondra le plus au grand public. D'abord parce qu'il dispose de tous les atouts des deux autres modèles, mais en plus c'est le plus endurant, mais aussi son format est le meilleur compromis entre confort d'utilisation et confort de lecture, notamment pour l'usage multimédia ou le jeu par exemple. Alors du coup, si vous comptez acheter un Galaxy S21, eh bien on vous propose de vous donner un petit coup de main. Dans les commentaires, dites-nous en gros sur quoi reposent vos principaux usages, de quoi vous avez besoin. Et en réponse à ce commentaire, on vous mettra quel produit correspond le plus à ce que vous recherchez. Et promis, on essaiera de se montrer très réactif. Voilà, cette vidéo comparative entre le S21, S21 Plus et S21 Ultra est terminée. Merci à tous de l'avoir regardé. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore merci à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.